Alger la Blanche, une ville aux multiples facettes qui attire chaque année une foule de visiteurs, séduits par des attraits touristiques uniques qui lui confèrent un charme incomparable. Et pour que les infrastructures soient à la mesure des potentialités, de nombreux projets hôteliers sont lancés dans la capitale. أكثر من 190 مشروع سياحي اللي راه معتمد على مستوى ولاية الجزائر. Plus de 190 projets touristiques ont été agréés dans la wilaya d'Alger, d'une capacité de 34 000 lits supplémentaires. Le montant de ces investissements dépasse les 200 milliards de dinars. Ces projets vont renforcer le parc hôtelier. Nous comptons réceptionner plus de 10 projets hôteliers durant le premier semestre 2017. Le partenariat dans le secteur touristique est en plein essor. 4 méga-projets avec des partenaires étrangers sont scellés. Nous avons un projet hôtelier à Babzouar d'une capacité de plus de 2500 lits et d'un montant qui dépasse 27 milliards de dinars. Il faut savoir qu'il y a une forte demande sur Alger. Nous recevons plus de 3 dossiers d'investissement par semaine. Des hôtels haut de gamme ont vu le jour, un seul credo, la qualité, un seul souci, satisfaire le client. Nous misons sur la qualité de nos produits. Par exemple, le touriste étranger qui réserve dans notre hôtel aura à sa disposition un véhicule qui l'attendra à l'aéroport et qui le ramènera à l'hôtel. Il peut également utiliser ses cartes bancaires. Tout est assuré pour lui permettre de passer un séjour agréable. Côté traditionnel de l'Algérie, déjà tout l'hôtel, en fait, par exemple, tête de lit, le tableau des quatre régions en fait d'Algérie, les têtes de lit qui s'exprime le côté sud d'Algérie, les gravures de Tassili. Il y a aussi les trois autres, c'est l'est, le Chaoui, le Kabyle et aussi le côté de Tlemcen qui est très joli, qui donne le côté moral. Le tourisme, c'est aussi un secteur créateur de richesses et d'emplois, avec la création de quelques 16 500 postes d'emploi. Autant dire que le secteur touristique connaît une véritable dynamique à Alger. De quoi redorer le blason d'El Mahroussa.